Le choix du violoncelle, ça s'est fait, en fait, on a écouté des disques à la maison et ça a été vraiment un choc, le son du violoncelle. J'ai tout de suite dit, c'est ça que je veux faire et voilà, ça, je sais pas, ça m'a rempli tout de suite et depuis ce jour-là, je suis violoncelliste. Il n'y a pas eu de remise en cause après. C'est, voilà, j'ai fait mes premières notes et c'était parti. Bonjour, bonjour. Ça va? Super. Vous vous admirez? J'admire l'ensemble. Le poste, c'est plein de talents, c'est génial. Évidemment, avec vous, ça, c'est de talents très riches. Et donc, on se verra tout à l'heure. Oui. Un petit... bon, on va écouter d'abord de la belle musique et après on va parler un petit peu de vous, de votre parcours, de votre instrument, de votre rêve. Génial. Bon, à tout à l'heure, merci. À tout à l'heure. Et bienvenue, merci. J'adore le cinéma. C'est quelque chose qui, bah, évidemment, ça me détend beaucoup. En fait, j'adore tout ce qui raconte des histoires. En fait, lire, aller au théâtre, le cinéma. Et en fait, ça rejoint quand même un petit peu la musique, parce que aussi avec la musique, je pense qu'on raconte vraiment des histoires. On exprime des émotions, et c'est presque un peu un métier d'acteur. Je pense que c'est pour ça que j'adore en fait observer les acteurs ou les écrivains qui font le même métier, mais avec d'autres moyens. Donc je joue à la Rhapsodie hongroise de Popper. Ça montre bien aussi tout ce qu'on peut faire avec un violoncelle, en fait. Tout ce qu'on peut exprimer, moi, c'est toujours ce qui m'intéresse, exprimer, raconter une histoire. Donc voilà, je trouve que ça raconte une belle histoire.